Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où aujourd'hui je reçois Benoît Roux. Bonjour Benoît. Bonjour Nicolas. Alors Benoît, vous êtes ingénieur d'études à l'université de Rouen en Normandie, vous êtes docteur en histoire et ancien boursier de l'école française de Rome et du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Vous êtes spécialiste des relations entre Français et Amérindiens dans les Petites Antilles au XVIIe siècle. Donc vos travaux sont au croisement de l'histoire coloniale et de l'histoire autochtone et ils s'attachent à la fois à analyser les mécanismes à l'œuvre dans la mise en place d'un système de compréhension et d'accommodation mutuelle entre des individus de cultures diverses. Mais ils cherchent aussi vos travaux à désenclaver des histoires généralement séparées dans la production scientifique alors qu'elles apparaissent souvent indissociables. Votre réflexion sur les processus de circulation et de transformation des savoirs nouveaux dans l'espace colonial français aux Amériques vous a également conduit à vous intéresser à l'histoire des objets amazoniens et caraïbes dans les collections d'anciens régimes. Donc voilà, on va aujourd'hui évoquer, ou pas, on va voir, hein, vous allez nous faire la surprise, vous allez nous dire. On va en tout cas, on ne va pas rester en Europe, on va partir pour des sociétés qu'on pourra appeler plus nouvelles et vers un autre espace. Alors, peut-être pour commencer, comme c'est la tradition dans l'histoire en série, Benoît, vous connaissez bien le podcast, est-ce que vous pourriez nous faire la présentation de la série qu'on va aujourd'hui analyser ensemble ? Merci Nicolas. Alors, The Terror est une série américaine anthologie qui compte aujourd'hui deux saisons indépendantes de 10 épisodes de 45 minutes chacune. La première saison, la seule à laquelle nous allons nous intéresser dans cet épisode d'Histoire en série, a été initialement diffusée entre mars et mai 2018 par la chaîne AMC aux États-Unis et Prime Video en France. Elle est aujourd'hui seulement disponible sur la plateforme de vidéo à la demande de Canal+. Cette série, créée par David Kajganich et So Hugh, et coproduite par Ridley Scott, qu'on ne présente plus, est adaptée du roman éponyme de l'auteur américain Dan Simmons, publié en 2007 et lui-même inspiré de faits réels. The Terror retrace en effet le sort des 134 hommes de l'expédition arctique de Sir John Franklin, partis d'Angleterre en 1845 sur deux navires à la recherche d'un passage maritime reliant l'Atlantique au Pacifique par le Nord-Ouest et qui ont disparu corps et biens dans le secret des glaces boréales. Si cette fiction s'attache à se montrer aussi fidèle que possible aux faits tels que nous pouvons aujourd'hui les connaître, en s'appuyant à la fois sur les rares sources écrites dont nous disposons, mais aussi sur les découvertes relativement récentes de traces laissées par les survivants en sursis de l'expédition, elle introduit également une dose de surnaturel grâce aux interventions d'une créature terrifiante et prédatrice nommée Toonback, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Alors, avec son titre au relent de cauchemar, qui désigne en réalité l'un des deux navires de l'expédition de Franklin, The Terror est bel et bien une œuvre angoissante, mais qui ne peut être réduite à ce seul adjectif. La série se distingue en effet par son écriture qui mélange habilement les genres historiques, avec un sens du détail et de la précision très marquée, nous allons le voir, l'horreur par les irruptions de la créature qui obéissent aux lois du genre, et le survival puisque les équipages sont confrontés aux conditions extrêmes de l'Arctique, à la créature, mais aussi à leurs propres démons. Pour autant, il ne saurait être question d'une simple juxtaposition des genres, fiction et réalité se mêlent au sein d'une atmosphère à la fois tangible et enveloppante pour le spectateur. Alors Benoît, peut-être vous venez maintenant de nous présenter cette série. Quels sont les grands personnages de la série, hein? Vous avez commencé à évoquer le nom de cet explorateur et puis dites-nous qui est-ce qui joue dedans, quel est le casting? Alors, au service de cette intrigue, hein, les producteurs ont réuni un casting britannico-irlandais impressionnant et sûrement familier aux auditeurs et auditrices réguliers d'Histoire en série, puisqu'on retrouve notamment Ciaran Hinds, notamment connue pour ses rôles de Jules César dans Rome, pardon, ou Mance Rider dans Game of Thrones. Il y a aussi Tobias Menzies, qui incarne Frank Randall dans Outlander, ou plus récemment le prince Philip dans The Crown, Jared Harris, qui joue Len Price dans Mad Men. On retrouve également Paul Reedy, alias l'antipathique Rob McDonald de Bodyguard, ou Ian Hart, qui interprète le père Beoka dans The Last Kingdom. Il y a aussi Kevin Guthrie, qui prête ses traits au footballeur écossais Fergus Sutter dans The English Game,
John Lynch, que l'on retrouve dans la série Antarctique, cette fois The Head, ou encore Greta Scacchi, l'une des rares figures féminines de cette série que le public francophone a pu notamment découvrir dans le rôle de Madeleine de Foix pour la série Versailles. Dans cette distribution, il faut aussi signaler une révélation, hein, Adam Negetis, vu depuis dans la série Tchernobyl, et qui interprète ici le personnage fascinant et complexe de Cornelius Icky, le méchant d'histoire, pour le dire un peu rapidement. Alors, cette série aussi, vous l'avez dit, un casting assez impressionnant de Britanniques. C'est vrai qu'ils ont joué dans plusieurs grandes séries, vous l'avez rappelé, hein, Rome, Game of Thrones par exemple. C'est aussi une série à la photographie particulière et aussi avec une très bonne bande originale. Effectivement, Nicolas, le ton est donné dès le générique en noir et blanc et sa musique martelée au piano qui plonge le spectateur dans une ambiance oppressante. Dans les épisodes eux-mêmes, l'esthétique gris-bleu qui domine au départ tend à glisser vers des tons ocre au fil des épisodes et à mesure que l'horreur s'installe. Les plans très soignés et en grande partie tournés en studio sur fond vert saisissent bien la solitude des hommes en jouant notamment sur des effets de travelling optique qui capturent de haut les paysages désolés. Seuls alors, les quelques taches bleues et or des uniformes des équipages illuminent les lieux et apportent un semblant de vie aux confins de cette zone désertique. Vous l'avez dit, hein, cette série, elle est diffusée sur Canal+, donc c'est une série qui est sur une chaîne payante. Mais quelle est la réception de cette série, d'ailleurs, déjà dans le monde anglo-saxon, puis dans le monde entier? Alors, malgré toutes ses qualités, contrairement à d'autres productions originales qui ont fait le succès des NBC, comme Breaking Bad ou The Walking Dead, The Terror est passé plutôt inaperçu à sa sortie. Il faut d'ailleurs souligner ici son absence remarquée de nomination aux Emmy Awards, la cérémonie la plus importante pour la télévision et les plateformes audiovisuelles outre-Atlantique. Merci Benoît pour cette présentation de la série. On va peut-être rentrer maintenant un peu plus en détail dans l'analyse de ce que vous allez en dire de The Terror. Alors peut-être pour commencer, ce qui est intéressant ici, et c'est des choses qu'on voit rarement peut-être dans les séries, c'est qu'on peut vivre une vraie aventure, on va dire géographique, moderne, c'est intéressant, dans ce 19e siècle. Alors on va voir la première idée, pourquoi il y a eu cette expédition? Est-ce qu'on est toujours dans la recherche de ce qui avait fait d'ailleurs ce départ vers le par exemple Jacques Cartier au XVIe siècle, cette idée du passage du Nord-Ouest. Alors, l'expédition du Terror s'inscrit dans un contexte bien particulier qui est celui de l'Europe post-napoléonienne. Sir John Franklin, joué par Kieran Hines, est lui-même un vétéran de la bataille de Trafalgar et de celle de la Nouvelle-Orléans. Pour la génération suivante d'officiers, à laquelle appartient notamment le premier second de Sir John, le capitaine du Terror Francis Crozier, joué par Jared Harris, les rêves de gloire se sont désintégrés à mesure que la paix s'est installée en Europe et en Amérique. La première guerre de l'opium, qui oppose la Chine à la Grande-Bretagne entre 1839 et 1842, a bien mobilisé la marine de la toute jeune reine Victoria, comme le rappelle d'ailleurs au cours du premier dîner pris à bord, et non sans une certaine forfanterie, le deuxième second de Sir John, le capitaine James Fitz-James, joué par Tobias Menzies, mais ce sont là les seules anecdotes, un tantinet glorieuse et encore, qui animent les soirées dans le carré des officiers. Dans ce contexte, l'exploration maritime de quelques zones encore imparfaitement explorées apparaît aux yeux de l'amirauté britannique comme un moyen de continuer à affirmer sa suprématie maritime et de tromper l'ennui de ses équipages, payés seulement la moitié de leur solde lorsqu'ils sont à terre, comme le rappelle Crozier dans l'épisode 4. Alors, en l'espèce, la recherche d'un passage maritime reliant l'Atlantique au Pacifique par le Nord-Ouest est effectivement, comme vous l'avez rappelé Nicolas, une aventure de taille. Depuis le XIIIe siècle au moins, et Marco Polo notamment, les Européens cherchent une route leur permettant de gagner au plus vite l'Asie. Faut-il seulement rappeler ici que c'est l'objectif de Christophe Colomb au XVe siècle dans ses voyages à travers l'Atlantique, du moins jusqu'à ce que l'amiral génois ne se heurte à la barrière continentale américaine. La quête d'un passage par le Nord-Ouest, dont l'existence est postulée en axiome, est une histoire tout aussi ancienne, puisque dès la fin du XVe siècle, la monarchie britannique envoie des marins à sa recherche. On pense par exemple à l'Italien John Cabot en 1497, Martin Frobisher de 1576 à 1578, Henry Hudson au début du XVIIe siècle, ou encore Henry Ellis entre 1746 et 1747. Et ce sont là autant de noms qui ont laissé une empreinte durable dans la géographie arctique. Mais au milieu du XIXe siècle, l'enjeu de cette découverte, qui par certains côtés tient plus du fantasme que de l'exploration, devient absolument nécessaire pour les Britanniques,
dont l'empire n'a cessé de s'étendre en Asie, surtout depuis le XVIIIe siècle, avec d'abord l'Inde, puis Singapour, Malacca ou encore la Birmanie. Or, comme il n'est pas encore question du canal de Suez, dont le percement ne commence que 15 ans plus tard, en 1859, et encore moins de celui de Panama, dont les travaux débutent en 1882, la route vers l'Asie suppose toujours de franchir soit le Cap de Bonne-Espérance en contournant l'Afrique, soit le Cap Horn en passant par l'Amérique du Sud, c'est-à-dire deux des zones maritimes les plus dangereuses du globe. De ce fait, la route nord-ouest semble pleine de promesses. Plusieurs portions du passage sont ainsi explorées au cours du XIXe siècle par différentes expéditions maritimes d'abord, dont celle de William Edward Parry en 1821 et celle de James Clark Ross, à laquelle participe déjà Francis Crozier entre 1839 et 1843. Mais ce sont aussi des expéditions terrestres, comme celle dite de Coppermine entre 1819 et 1822, dirigée déjà par un certain John Franklin. On peut d'ailleurs noter que cette quête résonne tout particulièrement aujourd'hui dans un monde où le recul de la banquise permet désormais un accès plus facile à l'océan Arctique et exacerbe des rivalités économiques et militaires jusqu'alors limitées. Mais revenons-en au XIXe siècle et à la série. Oui, vous l'avez dit, Benoît, c'est cette série très ancrée dans ce XIXe siècle, dans ce début du XIXe siècle, elle est à cheval, on va dire, entre plusieurs grands explorateurs. On peut revenir à toutes les aventures de Cook au XVIIIe siècle vers l'Océanie, justement. On est avant les grands explorateurs de l'Afrique, Stanley, Livingstone, au XIXe, donc on est sur un espace aussi qui est peut-être un peu moins connu, qui va être plus abordé, on va dire, avec les grands explorateurs du début du XXe siècle qui vont partir à la conquête des pôles, comme Paul-Aimé Victor. Ici, justement, ce qui est intéressant, c'est de revenir sur un siècle très majeur, ce 19e siècle, où il y avait un vrai souci de naissance des grandes sciences. On est dans les successeurs des Lumières et on est justement dans cette période-là où toutes les sciences progressent. 19e siècle, c'est le siècle de Darwin. Vous avez tout à fait raison, Nicolas. Par un ensemble de détails et de scènes de la vie quotidienne, la série restitue très efficacement le modernisme dans lequel s'inscrit l'expédition de Franklin. Rien n'a, semble-t-il, été laissé au hasard. Bien qu'armés respectivement en 1813 et 1826, le Terror et l'Erebus, les deux navires de l'expédition, sont à la pointe de la technologie maritime. Au cours des mois qui précèdent l'expédition, ils ont en effet été spécialement reconvertis pour les régions arctiques et notamment par le renforcement de leur coque à l'aide de plaques de fer. Ils ont également été équipés chacun d'une machine à vapeur provenant d'une locomotive, technologie ô combien moderne pour l'époque, qui assure au besoin une force motrice d'environ 20 chevaux pour chaque navire. C'est là l'un des indicateurs forts du changement technologique profond qui s'opère au XIXe siècle. En outre, les deux navires sont dotés d'un système précurseur de chauffage central, rendu possible par les travaux menés au tout début du siècle par le chimiste anglais Charles Sylvester. De l'air chaud est ainsi diffusé dans chaque partie du navire à l'aide d'un réseau de tuyaux en fer relié à une chaudière en brique. Plus étonnant peut-être pour nous, l'Erebus et le Terror possèdent une bibliothèque bien fournie de près de 2900 titres. Ces ouvrages, même si la série ne permet absolument pas d'en mesurer l'impressionnante quantité, tiennent une place importante dans la relation sentimentale entre le chef de lune de misaine du Terror, Harry Peglar, joué par Kevin Guthrie, et l'officier de l'Erebus et doyen de l'expédition, John Bridgens, alias John Lynch, mais nous en reparlerons un petit peu plus loin. Sur le plan alimentaire, les équipages emportent 3 ans de provisions, et en particulier du jus de citron pour éviter le scorbut, et 15 tonnes de viande en conserve. La conserve est à l'époque une invention récente. L'anglais Peter Durand, suivant la méthode développée par le confiseur français Nicolas Appert, a fait breveter en 1810 son procédé qui utilise des boîtes en fer blanc. La méthode est totalement révolutionnaire et permet en théorie de nourrir les équipages pendant près d'un mois sans avoir à se soucier de la conservation des aliments. C'est aussi cette série, Benoît, ce qui est intéressant de voir, on parlait des aspects scientifiques, vous les évoquez ici, on peut percevoir, et c'est très intéressant, toutes les évolutions qu'il y a au niveau technologique, mais on a aussi quand même une certaine critique du scientisme. Tout à fait. En parallèle, la série critique de façon assez virulente cette insatiable volonté de maîtrise du monde affichée par une Europe à la fois arrogante et pétrie de certitudes. Ironiquement, les conserves deviennent donc au fil des épisodes le symbole de cet aveuglement technologique. Non seulement une partie d'entre elles, acquises comme souvent à un prix défiant toute concurrence par la marine royale, sont avariées, mais en plus, la présence de plomb dans les soudures des boîtes corrodées par l'acidité des denrées contenues provoque l'empoisonnement mortel d'une partie des équipages.
Les premiers symptômes du saturnisme surviennent d'ailleurs assez rapidement dans la série. Plus globalement, l'Arctique met à mal un à un les avantages technologiques européens. Le compas s'affole à l'approche des pôles, un morceau de banquise endommage le système de propulsion à hélice de l'Erebus, condamnant les deux navires à l'immobilisation dans les glaces de l'épisode 1, et la moindre pièce de métal trop froide pour être touchée sans des gants épais devient une menace pour les hommes, comme dans cette scène absolument cauchemardesque de l'épisode 3, où la paupière de Crozier reste collée à sa longue-vue. Dans cette perspective, Toonback, la créature, met aussi à rude épreuve la santé mentale des équipages ainsi que la rationalité scientifique du XIXe siècle. Le roman de Dan Simmons, c'est peut-être plus insistant que la série sur ce point, et notamment du fait des références régulières au voyage de Charles Darwin, que vous mentionniez, Nicolas, tout à l'heure, au cours duquel Peglar et Bridgens, que nous avons aussi mentionné, se sont rencontrés. Au fil du récit, la créature vient comme mettre à l'épreuve la théorie de l'évolution proposée par le naturaliste anglais. Est-elle, comme l'écrit Dan Simmons, le représentant d'une espèce ayant évolué à partir des ours blancs, ou au contraire, l'un des derniers représentants d'une antique espèce ? Noirou, on est en train d'évoquer ensemble aujourd'hui hein, une série sur l'Arctique, vous l'avez dit, The Terror. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure justement les bateaux. Hein. C'est vrai que c'est très intéressant de voir ces bateaux hein, encore en coque de bois, même si, vous l'avez dit, la modernité fait que petit à petit le fer va être utilisé. Alors, justement, ces bateaux, vous l'avez dit, en étant chauffés, c'est un cadre de vie qui peut paraître rassurant et pourtant, au fur et à mesure de l'avancée de l'intrigue de la saison 1, ça va devenir finalement un espace de huis clos très angoissant. Oui, effectivement. Dans un premier temps, les deux bateaux apparaissent comme le cadre de vie familier et donc quelque part rassurant pour les 134 membres de l'expédition. C'est à l'abri des navires que l'œil du marin s'exerce à découvrir un monde nouveau. Cet espace du bateau est en quelque sorte, hein, d'ailleurs, ce qui relie encore un peu les hommes à leur patrie, à un quotidien terrien. La vie à bord est un calque de la vie à terre, avec ses règles, ses habitudes et ses relations entre individus. Pour les marins, c'est même un lien organique, pourrions-nous dire, quasi charnel, hein, qui les unit au navire, personnage à part entière de la série. Un lien qui se révèle en particulier lorsque Crozier se résout à abandonner finalement le Terror au début de l'épisode 7. Parfois, et notamment la nuit, lorsque gémit la glace, Francis Crozier comprend pour de bon que le HMS Terror est son épouse, sa mère, sa promise et sa putain, écrit Dan Simmons. Plus encore, les deux navires sont pensés et vécus comme des bastions protecteurs. Leurs seuls noms doivent inspirer de la crainte à quiconque les croisera. Le Terror, suffisamment explicite pour que cela n'appelle pas davantage de commentaires, est l'Erebus, hein, qui désigne tout à la fois la divinité grecque primordiale des enfers et une région de ces mêmes enfers, celle par laquelle transitent les défunts après leur trépas. Progressivement pourtant, le public de la série assiste à un glissement sémantique par le déplacement de la focalisation du sentiment de crainte de l'extérieur vers l'intérieur des bateaux, ces derniers devenant au fil des épisodes le théâtre figé d'un huis clos angoissant, ponctué par de spectaculaires incursions de Toonback à bord et dont l'acmé débouche sur un abandon définitif des navires. On est aussi, Benoît, dans une série, on l'a dit, hein, sur l'Arctique qui nous permet de découvrir cette région-là. Et cette région, vraiment, là, on est chez les pionniers de l'exploration. Hein, justement, on voit des plans, vous l'avez dit, très soignés avec cet infini désert blanc. Le rapport des équipages à l'environnement extérieur se construit, pour ainsi dire, en miroir de leur relation au bateau. Ce désert blanc où la nuit règne une partie de l'année, or, il fait noir comme dans le ventre d'une anguille, écrit Dan Simmons, est d'abord le lieu de tous les dangers. Celui du froid extrême, celui de l'autre et d'un ailleurs sans horizon, celui de la créature, mais celui qu'il faut pourtant se résoudre à affronter. De fait, en septembre 1846, après une année à parcourir des eaux toujours plus froides, l'Erebus et le Terror finissent par être pris en étau par les glaces boréales au large de l'île du roi Guillaume. Dans un premier temps, les équipages se maintiennent à bord en comptant sur la débâcle estivale pour se remettre à flot, mais l'été passe et la glace reste. En avril 1848, la situation sanitaire et alimentaire s'étant trop dégradée pour envisager un troisième hivernage, les hommes encore vivants tentent de partir à pied à travers l'archipel en tractant des chaloupes montées sur des bateaux de fortune, dans l'espoir, insensé il faut bien le dire, de trouver des eaux libres au printemps. C'est ce qu'on peut voir à l'épisode 6. Commence alors une errance funeste. Il est intéressant de souligner ici que même si l'implication de Ridley Scott sur le projet semble plutôt discrète, l'aspect horrifique de la banquise se déploie tel un négatif visuel et sonore du premier opus de la série des films Alien sorti en 1979.
À l'immensité de l'espace se substitue une étendue de glace inébranlable, au noir intersidéral un blanc aveuglant, au silence oppressant du vide spatial, les craquements sourds de la banquise. Dans l'Arctique, comme dans l'espace, personne ne vous entend crier. Au-delà de ce clin d'œil cinématographique, la représentation de la banquise puise aussi dans celle du locus terribilis, un topos de la littérature viatique, qui s'oppose à celui du lieu plaisant, le locus amenus, et consiste en la représentation d'un lieu isolé du monde, où un personnage se trouve seul en proie à une terreur profonde liée aux éléments qui l'entourent. Cet espace est généralement caractérisé par des conditions extrêmes, telles que l'obscurité et le froid glacial. Le locus terribilis rendant les hommes plus vulnérables les place finalement face à eux-mêmes. Benoît, on y reviendra, hein, c'est sur cette figure du monstre, hein, où on voit bien peut-être à ce moment-là, d'ailleurs c'est peut-être, vous l'avez dit, on y reviendra, le moment où le plus la patte de Ridley Scott, hein, le parallèle avec Alien est quand même assez, je pense, frappant. J'aimerais qu'on parle maintenant des personnages eux-mêmes, parce qu'on est dans une série historique, et c'est vrai que quand on a fondé avec Yoann Chanoir Histoire en série, on s'est dit, tiens, on voudrait analyser les personnages historiques à travers les séries, c'était le point de départ. Alors justement, hein, peut-être, est-ce que vous pouvez nous faire une petite galerie de portraits de ces membres de l'expédition, parce que c'est très intéressant à travers eux, je crois qu'on l'a compris depuis le début de l'émission, on voit toute une époque. Alors, il faut bien dire déjà que l'une des lignes de force de la série, hein, réside dans son écriture à la fois resserrée et efficace. Les scénaristes ne versent jamais dans la surexplication, le spectateur comprend par des petites touches ce qui se passe et la place qu'occupe chacun des nombreux personnages. De ce point de vue, le premier épisode de The Terror n'est pas sans rappeler celui de Game of Thrones. Mais surtout, moins que l'intrigue, c'est d'abord la dimension humaine, comme vous l'avez dit, cher Nicolas, qui prime dans cette série. Les deux équipages de l'expédition comptent 110 hommes et 24 officiers. La vie à bord et la division du travail répondent à des mécanismes structurés qui entraînent des formes de hiérarchie reposant sur un ordre social fort. Chacun a son rôle et doit maintenir son rang. Officiers, sous-officiers, matelots, fusiliers marins, médecins. Et la moindre incartade à cet ordre peut être punie assez rudement, et principalement par le fouet, comme on peut le voir à l'épisode 4. Si on s'intéresse maintenant à ces différents groupes, on peut dire que les officiers, tout d'abord, représentent probablement le groupe où les tensions internes sont initialement les plus fortes, entre Sir John et Crozier, pour ne citer que les deux principaux. Les rêves de gloire et l'esprit de cour de l'un, opposés au tempérament taciturne et mesuré de l'autre, se révèlent dès les premières minutes à l'origine de dissensions qui vont s'avérer fatales. Pour ce faire, la série joue aussi sur les origines irlandaises de Crozier, afin d'expliquer sa carrière sans lustre et son manque d'ambition. Au vrai, nul ne sait si cela a véritablement joué. En revanche, les déconvenues sentimentales du capitaine du Terror avec Sophia Cracroft, la nièce de Sir John, jouée par Sian Book, ont eu une incidence réelle sur sa carrière, comme on peut le voir à l'épisode 2, et peut-être sur l'alcoolisme que lui prête la série. Autre groupe, les médecins, au nombre de 4, un chirurgien et un assistant sur chaque navire, jouent aussi un rôle central pour l'équipage. Non seulement ils soignent les corps, rudement mis à l'épreuve par le froid, le scorbut, l'intoxication au plomb et la créature, mais ils tentent aussi d'apaiser des âmes de plus en plus tourmentées. Le spectateur s'attache tout particulièrement au personnage du docteur Henry Goodsir, l'assistant médecin de l'Erebus, joué par Paul Reilly. L'intérêt clinique que ce dernier porte aux victimes de la créature, dont il va jusqu'à réaliser des clichés photographiques, ce qui est assez moderne pour l'époque, de même que sa curiosité éclairée pour la culture inuite, en font un rouage majeur de la dimension scientiste évoquée plus tôt. Mais les relations que Goodsir entretient avec le chirurgien du bord, le docteur Stephen Stanley, joué par Alistair Petrie, révèlent là aussi des effets de hiérarchie forts qui tendent à freiner l'assistant dans ses intuitions, mais surtout dans ses élans humanistes. Au rang des spécialistes embarqués pour cette expédition, il faut souligner le rôle du pilote des glaces, Thomas Blanqui, joué par Ian Hart. Cet ami de longue date de Crozier a assurément toute l'expérience pour devenir lui-même capitaine, mais il préfère le défi que représente la navigation arctique aux exigences sociales et politiques du commandement, comme il explique à l'épisode 2. Son expertise est absolument indispensable pour permettre au navire de se frayer un chemin au milieu de ce puzzle mouvant que constituent les glaces boréales. Blanqui est également, et il faut le souligner, l'un des rares membres de l'expédition à connaître l'Inuktitut, qui est l'une des principales langues parlées par les Inuits dans cette région. Mais pour l'essentiel, je l'ai dit, 110 hommes, l'équipage est composé de matelots et de fusiliers marins, les Royal Marines. Ces derniers, contrairement aux matelots, n'ont pas fait le choix d'embarquer pour cette entreprise.
Ils en ont reçu l'ordre, ce qui occasionne parfois d'ailleurs quelques frictions avec les matelots, comme à l'épisode 4. Mais les fusiliers comptent parmi leurs rangs les meilleurs tireurs, un avantage incontestable lorsqu'on sait que l'expédition ne dispose pas de chasseurs, hein, ce qui est un manque pour le moins surprenant lorsqu'on sait que tout a été préparé minutieusement, un manque que le roman de Dan Simmons souligne avec force. Quant aux matelots, même si une partie d'entre eux ont déjà navigué en mer sur des baleiniers, près de la moitié sont de nouvelles recrues de la marine royale, et cette différence d'expérience instaure de facto un rapport hiérarchique entre les marins, mais c'est aussi vrai d'ailleurs pour les officiers. Vous l'avez dit, Benoît, on est dans une expédition très bien préparée avec des militaires, donc finalement la vie à bord peut apparaître souvent comme très ordonnée, hein, mais on va voir qu'au fur et à mesure, avec justement le fait que le bateau ne peut pas redémarrer à cause de la débâcle qui n'arrive pas, on va voir que cet ordre va vite, vite plonger vers le chaos. Oui, absolument, Nicolas. Il faut souligner un aspect essentiel ici. Une telle expédition constitue une aventure singulière et hors norme. Les équipages doivent faire face à des conditions éprouvantes, à la rudesse des comportements, mais également à une forte promiscuité. En miroir de cette société sur flot parfaitement ordonnancée, le carnaval organisé par le capitaine Fidjens pour célébrer le premier lever du soleil à l'épisode 6 constitue une rupture libératrice, un temps de dérèglement autorisé, voire de transgression. Les hommes se déguisent, se saoulent, les hiérarchies se brouillent, une forme de décadence fantasmagorique s'installe, telle cette scène où deux membres de l'expédition se baignent dans un immense chaudron dont l'eau est remuée par un troisième armé d'une grande cuillère. Néanmoins, si ce moment festif, hein, comporte des aspects libérateurs, il n'en demeure pas moins lié, lui aussi, à une forme de régulation sociale. La fête est un exutoire qui, comme le résume parfaitement Blanqui, sert à occuper les esprits et à empêcher les hommes d'équipage de penser à ce qui les attend durant leur périple terrestre à travers le continent arctique. Pour le dire autrement, Fitzjames utilise le carnaval comme une soupape de sûreté afin de limiter les effets d'humeur négative et prévenir tout risque de mutinerie, menace qui guette les officiers de façon quasi permanente, depuis qu'une poignée d'hommes conduits par le second calfat du terror, Cornelius Icky, ont sciemment désobéi aux ordres de Crozier à l'épisode 4. Mais le carnaval est aussi traditionnellement un synonyme de folie, une folie poussée ici à son paroxysme, puisque le docteur Stanley, qui prend soudain conscience du choix aussi cornélien qu'absurde qui attend l'expédition, à savoir finalement mourir de faim ou s'empoisonner avec les conserves, décide de mettre le feu au barnum du carnaval avant de s'immoler, et ce afin d'éviter une fin lente et agonisante, en même temps que d'échapper à sa culpabilité grandissante pour ne pas avoir prêté plus d'attention aux intuitions du docteur Goodson. Alors, outre ces tensions hein, qu'on vient d'évoquer, et qui résultent bien souvent d'une cohabitation forcée et prolongée, The Terror insiste aussi sur des rapprochements intimes que connaissent certains membres de l'expédition. Deux relations homosexuelles sont ainsi suivies par la série. La première, entre Cornelius Icky et l'intendant des officiers du terror William Gibson, joué par Edward Ashley. La seconde, que nous avons déjà brièvement évoquée tout à l'heure, entre Harry Peglar et son mentor John Bridgens. Il est intéressant de noter que tout oppose hein, ces deux couples. Icky, manipulateur et pervers, souffle le chaud et le froid en profitant des sentiments sincères de Gibson à son endroit, quand, dans le même temps, l'idylle entre Peglar et Bridgens, née durant une précédente expédition dans les mers australes, se déploie tout en sensibilité et en allusion discrète sur fond de leçons littéraires. D'ailleurs, Bridgens, ne se résolvant pas à l'idée de survivre à Peglar, décide à la manière d'une tragédie ancienne de se laisser mourir de faim et de froid lorsque son amant est emporté par le scorbut à l'épisode 9. Les scènes intimes entre Peglar et Bridgens, qui se résument à quelques effleurements, ne sont pas sans rappeler celles où Ismaël, le narrateur de Moby Dick d'Herman Melville, atteint une forme d'extase en pressant les mains de ses camarades pour le lissage du gland de baleine, sperm en anglais. Pour autant, l'homosexualité, qualifiée de sodomie par le droit britannique, est sévèrement condamnée par la société à terre comme en mer. Icky et Gibson manquent du reste de se faire dénoncer après avoir été surpris dans la cale par l'un des lieutenants du terror, John Irving, joué par Ronan Raftery. Selon Icky, le silence d'Irving tient autant à sa ferveur religieuse qui l'empêche d'imaginer de telles choses qu'à sa volonté de maintenir un semblant d'ordre en évitant de provoquer un chaos qu'il peut éviter. Benoît Roux, on évoque ensemble The Terror et donc vous avez évoqué tout à l'heure
dans cette expédition arctique qu'il y avait bien sûr des peuples autochtones présents, les Inuits. Alors comment est-ce qu'ils sont montrés dans la série ? Les Inuits Netsilik, qui peuplent de longue date les territoires explorés par Franklin et ses hommes, tiennent une place essentielle, et ce, aussi bien dans le fil de l'intrigue aux élans surnaturels proposé par The Terror, que dans notre connaissance historique des faits. En effet, la série s'ouvre sur une scène où l'explorateur Sir James Clark Ross, joué par Richard Sutton, parti à la recherche de l'expédition perdue de Franklin, interroge avec l'aide de son traducteur autochtone un chasseur Netsilik, joué par Johnny Saluk, pour tenter d'en apprendre davantage sur le sort de ses compatriotes. Alors il faut savoir que depuis 1848, la disparition de l'Erebus et du Terror a suscité de nombreuses expéditions de secours d'abord, de recherche des survivants ensuite, et à visée scientifique et archéologique enfin. En avril 1854, près de Pelly Bay, l'explorateur John Ray rencontre un Inuit qui lui raconte qu'un groupe de 35 à 40 hommes blancs sont morts de faim près de l'embouchure de la rivière Back. D'autres Inuits lui confient cette histoire et lui montrent plusieurs objets liés à ces hommes blancs, dont des fourchettes, des cuillères en argent, qui seront par la suite identifiées comme ayant appartenu à Fitzjames, Crozier ou encore Franklin. Très tôt donc, les témoignages Inuits auraient pu permettre de lever le voile sur la disparition de l'expédition de Franklin. Cependant, c'était sans compter la publication malencontreuse du rapport de Ray dans le Times de Londres. L'explorateur anglais, en se fondant sur ses informateurs autochtones, y révèle que certains membres de l'équipage, poussés par leur instinct de survie, se seraient livrés à des actes de cannibalisme. Dès lors, Lady Franklin, la future veuve de Lord John, soutenue par l'écrivain Charles Dickens, joué par Tristan Taylor, s'emploie à discréditer John Ray et à faire circuler, sans l'ombre d'une preuve, la thèse d'une attaque barbare perpétrée par ceux que l'on appelle encore Esquimaux, pour expliquer la mort des survivants et d'éventuelles traces de cannibalisme. Alors, à l'inverse, en faisant de la parole inuite le nœud narratif, finalement, de leur scène inaugurale, les showrunners de The Terror s'inscrivent sans aucun doute possible dans une critique de cette pensée coloniale qui a méprisé les cultures non occidentales. De la même façon, la première rencontre entre l'expédition de Franklin et les autochtones à l'épisode 2 donne le ton. Les Inuits sont les victimes de la soif de conquête aveugle des Anglais. Traquant ce qu'il pense encore être un ours, le sergent David Bryant, joué par Richard Riddle, tire accidentellement sur un Netsilik, joué par Apayata Kotiak. Cet homme autochtone, qui est accompagné par sa fille Silna, personnage très important dans la série joué par Niamh Neeson, et qui se révèle être un chaman lié à la créature, décède peu après à bord de l'Erebus sur lequel il a été transporté pour y être soigné. Sa fille Silna s'enferme alors dans un mutisme obstiné qui lui vaut d'être surnommée Lady Silence par les Anglais. Alors il ne s'agit pas pour autant ici de nier l'agency des Inuits. Au contraire, le personnage de Silna, bien qu'il soit muet, permet de souligner métaphoriquement la capacité d'action et de résistance autochtone. Avant de renoncer à l'usage de la parole, la jeune femme reproche aux Anglais, on retrouve un peu à la manière des Brésiliens de Montaigne, leur velléité de conquête, puis les enjoint à quitter son monde, sous peine de finir par « hook ahoy », ce que Blanqui traduit par « disparaître » à l'épisode 2. Après la mort de son père et à l'issue d'un parcours initiatique, commencé à l'épisode 3 et qui culmine avec l'auto-amputation de sa langue à l'aide du couteau traditionnel inuit, le hunu, à l'épisode 6, Silna se lie à son tour à la créature qui pourchasse inlassablement les membres de l'expédition. Regarder cette série, Benoît, c'est aussi voir que finalement ces Européens qui débarquent dans ce milieu qui leur est inconnu vont vivre un certain ensauvagement des mœurs, et vous connaissez très bien ce terme-là, vous nous l'expliquez, et du coup, en même temps, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de l'avancée de la série, il y a une vraie métamorphose des corps. Vous avez parfaitement raison, Nicolas. Dans une perspective toute montagnienne, la série The Terror décentre le regard du spectateur pour l'amener à repenser ce qu'est la sauvagerie. Progressivement, la série plonge le spectateur dans un drame extraordinaire au sens premier du terme. Un drame qui trouble les frontières, qui ont pourtant été revivifiées par l'anthropologie raciale du XIXe siècle, entre un nous et un eux, entre l'identique et l'altérité, entre le civilisé et le sauvage, entre l'humain et ce qui lui est étranger. L'abîme moral dans lequel sombre le personnage de Cornelius Ikki, dont on ignore d'ailleurs finalement l'identité, puisqu'il a usurpé celle du véritable Ikki après l'avoir tué avant l'embarquement, est emblématique. La
La situation semble définitivement basculer lorsque Icky assassine avec une violence sourde le chef de une du Terror Thomas Farr, joué par Matt Oman, et le lieutenant Irving, qui tous deux menacent de faire échouer son projet de mutinerie à l'épisode 7 et 8. Icky fait ensuite croire au reste du groupe que les Inuits les ont tués, ce qui entraîne le massacre d'une famille netsilique. La sauvagerie n'est décidément plus du côté où on pourrait l'attendre. Cette déshumanisation, qui touche à des degrés divers, les membres de l'expédition, isolés, traqués et confrontés à la perspective de leur propre mort, s'accompagne de transformations physiques aussi spectaculaires que dérangeantes. Des transformations liées avant tout aux attaques du froid et aux effets observables du scorbut, comme de l'empoisonnement au plomb. Dan Simmons en livre des descriptions visuelles particulièrement saisissantes, et j'en cite une. À la mi-avril, le corps tout entier de War était devenu une plaie difforme et boursouflée. Son visage et ses mains étaient décolorés par la jaunisse. Ses yeux étaient d'un jaune vif que faisait encore ressortir le sang suintant de ses sourcils. Un récit inuit, recueilli par l'explorateur Charles Francis Hall dans les années 1860, relate la rencontre troublante avec les derniers survivants de l'expédition. Les Inuits racontent que leur visage et leurs mains, tout était noir. C'est une coloration pigmentaire anormale qui pourrait, en partie, s'expliquer par les lésions cutanées provoquées par le saturnisme. Alors, effectivement, vous nous parlez depuis un certain temps d'un certain drame, d'une certaine terreur qui, petit à petit, vient s'inscrire ici avec beaucoup de désordre. On a aussi cette métaphore avec la nuit polaire qui, véritablement, dure longtemps et donc ce sentiment de chaos qui s'approche. Et pourtant, dans ces moments-là, vous l'avez dit, c'est une série qui est relativement angoissante, on a quand même de vrais moments d'humanisme. Tout à fait. Une fois de plus, la série ne peut être réduite à la seule immersion dans les replis les plus sombres de l'âme humaine. À regarder The Terror, on ne peut d'ailleurs s'empêcher de penser par moments à la fresque cinématographique Master and Commander de Peter Weir avec Russell Crowe, sortie en 2003. Au-delà d'une thématique marine commune, dans les deux cas, des scènes d'une grande humanité contrastent avec la sauvagerie des hommes. Le face-à-face dialectique construit entre les personnages de FitzJames et Crozier est, de ce point de vue, extrêmement intéressant. Les deux hommes, que tout semble opposé au début de la série, se rapprochent au fur et à mesure des événements, et notamment après la mort de Sir John à l'épisode 3, au point finalement de se considérer liés comme peuvent l'être deux frères. Au cours d'une scène à la fois ample et intimiste, où les deux officiers déambulent au milieu d'une étendue désertique, FitzJames se confie à Crozier sur ses origines adultérines et confesse n'avoir désiré une vie de gloire que dans le seul but de ne pas se sentir humilié de vivre. FitzJames fait alors le repentir de sa propre vanité, ce à quoi Crozier lui répond qu'il a désormais gagné sa liberté. Peu de temps après, FitzJames, rongé par le scorbut et voyant d'anciennes blessures se rouvrir, ce qui n'est pas d'ailleurs sans une certaine puissance métaphorique, demande à Crozier de l'euthanasier, ce que ce dernier finit par accepter à l'épisode 9. Après avoir fait leurs adieux à FitzJames, Bridgens montre à Crozier comment aider le capitaine en second à mourir dignement en lui faisant absorber le contenu d'une fiole de la pharmacie. Paradoxalement, il émane de cette scène pourtant difficile à soutenir une forme de sérénité qui, si l'on pousse la comparaison avec Master and Commander, n'est pas sans évoquer l'esthétique de la scène où Monsieur Hollom se suicide en sautant par-dessus bord en tenant un boulet de canon. De façon sûrement moins marquée que pour toute cette séquence autour de FitzJames, la série est jalonnée de petites touches lumineuses qui éclairent l'obscurité, comme vous l'avez bien dit, Nicolas. Cette volonté de faire contrepoint au sentiment dominant de délitement civilisationnel passe notamment par l'attachement dont font preuve les équipages aux marques de culture lorsqu'il est question d'abandonner les navires à l'épisode 7. Verre de cristal, vaisselle en porcelaine, livres, etc., ces objets, aussi inutiles et encombrants soient-ils pour la longue marche qui s'annonce, sont indispensables moralement. Comme le résume Crozier à FitzJames, c'est une longue marche, James. Ils auront le temps de changer d'avis. Mais si vous demandez à ces hommes de considérer leurs effets personnels comme une menace de plus, non, laissez-les parcourir quelques kilomètres avant de leur demander ça. On est, Benoît, dans la série The Terror, sur vraiment un drame horrifique qui est très très singulier. Vous l'avez évoqué depuis le début de l'émission. Alors j'aimerais maintenant qu'on rentre véritablement dans ce côté horreur, peut-être en essayant de décrire, de présenter, sans spoiler, pour celles et ceux qui voudraient voir, mais quelle est finalement cette figure du monstre? Parce que cette figure du monstre, vous l'avez dit, là on voit bien la patte de Ridley Scott et on sent bien cette fascination pour les monstres tel qu'il a pu nous le montrer avec toute son œuvre, avec Sigourney Weaver dans Alien.
Oui, tout à fait. Alors, les spectateurs qui s'attendent à un pur récit horrifique risquent d'être déçus, ce qui explique peut-être le succès relatif qu'a connu la série à sa sortie. La terreur s'installe de façon insidieuse, à la fois à la suite d'événements dramatiques fulgurants et en même temps par une somme de choix qui semble entraîner inexorablement tous ces hommes vers leur perte. Aussi, les scénaristes de The Terror ne délivrent les scènes chocs qu'avec parcimonie, leur préférant de longs moments de dialogue afin de mieux cerner la manière d'agir et de penser de chacun des protagonistes. Toonback, la créature, est la principale liberté prise par The Terror vis-à-vis des sources écrites et archéologiques. Mais au final, cette créature s'insère parfaitement dans les vides que l'histoire nous a laissés. Les principales scènes d'action sont celles où les hommes sont confrontés aux attaques de cette créature. Son ombre, aux allures tantôt animales, tantôt humanoïdes, plane tout au long de la série. Sorte d'ours polaire monstrueux, il possède tous les attributs de la férocité, grand, rapide et fort. Il est aussi imprévisible que difficile à discerner dans l'immensité blanche de la banquise. Le roman de Dan Simmons, davantage que la série, met l'accent sur les yeux de la créature qui, comme sortie de la glace, sont les premiers éléments qui permettent de la repérer alors qu'elle n'en est encore qu'à observer sa proie. La terreur que Toonback suscite chez les membres de l'expédition n'est pas seulement liée au danger que ce prédateur représente, mais aussi à la mise en scène et à la mutilation des corps de ses victimes. Coupées en deux, souvent décapitées, certaines dépouilles sont même recomposées pour former des corps mélangés. Les jambes de l'un apposées sur le corps d'un autre, par exemple, comme à l'épisode 4. En outre, cette traque continue que subissent les équipages, bien incapables d'être eux-mêmes d'ailleurs des prédateurs, est un ressort filé de l'angoisse, même si la terreur des attaques côtoie habilement des affres bien plus réelles et liées aux conditions de vie extrêmes. Au-delà de son intérêt sur le plan de l'intrigue, la créature est une référence à l'univers spirituel inuit et aux Tupilet, terme qui désigne des êtres vengeurs. Ces créatures, façonnées pour tuer par un Idyllic ou chaman maléfique, peuvent prendre la forme d'un homme ou d'un animal, voire même d'un assemblage de différents morceaux d'animaux, particularité qui n'est donc pas sans rappeler la propension de la créature à assembler entre elles différentes parties de ses victimes. Les autochtones servent donc, et c'est là sans trop de surprise, de pont narratif vers le surnaturel. Cina, et avant elle son père, était liée à la bête. Sans doute en sont-ils les Idyllicic. Mais tout est dans la suggestion. Quoi qu'il en soit, l'apparente facilité avec laquelle les Inuits parviennent à vivre dans des conditions a priori inhumaines semble miraculeuse aux yeux des équipages, ce qui facilite ce glissement allant de l'incompréhension vers l'imagination. Le surnaturel apparaît alors comme un ressort explicatif pour comprendre et interpréter leur expérience. Ce sentiment d'étrangeté est encore renforcé par le goût prononcé des gens de mer pour les légendes et les superstitions, auxquels les officiers doivent prendre garde s'ils ne veulent pas que le désordre s'installe. Une explication davantage rationnelle peut encore être apportée. Notre immersion subjective aux côtés des membres de l'expédition de Franklin permet de penser que l'existence même de la créature pourrait n'être que le fruit d'hallucinations provoquées par les carences multiples et l'intoxication au plomb. Vous l'avez dit, Benoît, en introduction, on a une évolution de la photographie, hein, de la série, hein, qui petit à petit va aller vers des tons un peu plus ocre, hein, peut-être pour rappeler l'accélération de la bête vers plus de victimes, en tout cas peut-être rappeler la couleur du sang. Justement, c'est intéressant d'évoquer ensemble ce rythme de l'horreur parce que ça fait partie des moteurs de la série. Parfaitement, hein. Les variations de rythme dans le temps narratif jouent un rôle essentiel dans la série. The Terror, nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, verse dans une horreur suggérée et diluée dans le temps, format oblige, plutôt que dans une mise en scène frontale et saccadée. Dès le second épisode, le tempo se resserre, passant progressivement d'un rythme elliptique à une impression de quasi-temps réel à partir de l'épisode 5. Ce rétrécissement du temps s'accompagne d'un resserrement de notre champ visuel, passant de l'immensité des étendues arctiques aux espaces calfeutrés des navires. Cet effet de claustration, renforcé par la nuit polaire, que vous avez évoqué tout à l'heure, Nicolas, conduit à un sentiment d'étouffement qui se révèle assez oppressant et donc finalement assez efficace pour le spectateur. La seconde moitié de la série, à partir de l'épisode 7, voit les équipages quitter les navires. Des lignes de fuite apparaissent, la nuit cède au jour. Mais le printemps ravive l'inéluctable. Le retour des plans larges sur de nouveaux horizons ne font que mettre en lumière une nature étendant de nouveau son emprise sur les hommes. L'horreur de la créature toujours tapie dans l'ombre laisse place à une horreur bien réelle cette fois,
une horreur organique qui, après s'être insidieusement immiscée dans l'obscurité des navires et le secret des boîtes de conserve, se révèle au grand air. La chair des hommes pourrit et la gangrène dictent désormais son rythme. La série suit alors un schéma propre au genre du survival, un jeu de massacre méthodique et structurant, dans lequel les personnages meurent les uns après les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun, ou alors seulement un. Je laisse aux auditeurs et auditrices la surprise du dénouement de la série. Oui, on va laisser peut-être le plaisir de découvrir cette série qui, j'espère, vous l'avez compris depuis le début de l'émission, on essaie de vous le montrer avec Benoît, mérite pour plusieurs aspects de qu'elle soit connue. Alors, justement, vous avez évoqué à l'instant, Benoît, cette idée de film de survival. On a, comme dans beaucoup de films de ce genre, véritablement transpire une angoisse du cannibalisme. Et on peut se souvenir du film qui a été réalisé sur cet accident d'avion, par exemple, des conditions qui pourraient être similaires dans la chaîne des Andes, sur cette équipe de rugby du Chili en 1973 qui avait fini finalement par être cannibale pour les survivants. On est un petit peu face à ça ici aussi, Benoît. Absolument. Et dans les récits de voyage, le cannibalisme est le marqueur emblématique de la sauvagerie. Il est un comportement de l'autre, un signe de barbarie, un marqueur frontière de la civilisation. Le fait de confronter les équipages, comme les passagers du vol que vous mentionnez, à la fin extrême, tout en les poussant dans leurs ultimes retranchements physiques et moraux, amène bien sûr à interroger leur humanité et à mettre en scène l'intérêt supérieur de la survie. L'idée de l'acte cannibale est progressivement instillée dans l'esprit du spectateur en même temps qu'elle s'impose aux hommes de l'expédition. Ainsi, après l'incendie du carnaval, une réplique du lieutenant Henry Collins, joué par Tristan Gravel, en proie à une crise de délire, rappelle avec une gourmandise non dissimulée l'odeur alléchante du gras de cuisson qui se dégage des corps calcinés. Mais une fois de plus, c'est au personnage de Hickey qu'il revient de franchir les dernières barrières morales à l'épisode 7. En tuant le chien de Crozier, Neptune, et en se servant de sa chair pour compromettre le lieutenant Hodgson, joué par Christos Lawton, dans son projet de mutinerie, Hickey ouvre la voie au cannibalisme parmi les mutins. Mais l'acte cannibale tel qu'il le conçoit est présenté comme un acte déréglé et dicté par une forme de plaisir malsain. Il s'oppose en cela à une autre vision du cannibalisme développée par la série et elle résolument sacrificielle. C'est Fitz James qui, sur son lit de mort, déclare qu'il n'est pas le Christ et que son corps devrait donc être utilisé pour nourrir les survivants à l'épisode 9. Mais c'est aussi le docteur Gutzer qui, prisonnier des mutins, s'enduit méticuleusement la peau de poison avant de se suicider tout en sachant le sort qui lui sera réservé post-mortem. Ce geste ultime, devant servir à mettre un terme à l'odyssée mortifère conduite par Hickey, caractérise toute l'humanité christique, pour le coup, du docteur qui fait le choix de la mort plutôt que de céder à la seule survie du corps. C'est ce qu'on peut voir à l'épisode 10. Alors, il faut bien dire que les séries sont par nature anthropologiques. Elles s'intéressent à l'homme, à ses manifestations, à ses mœurs, à ses tendances les plus communes comme les plus singulières. En abordant ici une question aussi dérangeante que le cannibalisme, la série The Terror nous regarde autant que nous la regardons. Elle éclaire l'homme d'une singulière manière et ses représentations très poussées du cannibalisme provoquent tout à la fois l'horreur et le dégoût en même temps qu'une certaine fascination et curiosité. Une chose est certaine néanmoins, le spectateur, loin d'être juge de la situation, est amené avec intelligence à comprendre ce qui pousse les survivants à accomplir ce geste terrible. On en arrive, Benoît, au bout de cette émission sur The Terror. On aura abordé de nombreux aspects, à la fois historiques, mais aussi anthropologiques. Vous l'avez très bien dit ici, sur une série finalement qui nous parle d'un espace qui est peu montré et peu mis en avant dans les séries, celui de l'Arctique. Alors, peut-être, qu'est-ce que nos spectateurs et nos auditeurs, surtout, pourraient retenir en conclusion sur la série The Terror ? En conclusion, la parole me paraît devoir revenir à une autrice qui a partie liée avec l'univers des séries, Margaret Atwood, à qui l'on doit, est-il encore besoin de le dire, le roman dystopique adapté en série, La Servante écarlate. En avril 1991, à l'occasion d'une conférence à Oxford, Atwood s'interroge sur la prégnance de l'expédition perdue de Franklin dans l'imaginaire collectif et littéraire nord-américain. Elle conclut « Ne vous y trompez pas, Franklin vit toujours ». Et c'est bien parce que Sir John n'a jamais été retrouvé que l'Angleterre victorienne s'est passionnée pour le sort de cette expédition polaire à laquelle elle s'est tout entière identifiée. Et c'est encore parce que Sir John n'a jamais été retrouvé qu'il continue de nous hanter aujourd'hui. Alors, cher Nicolas, chers auditeurs et auditrices, la prochaine fois que quelques flocons tomberont nuitamment, faites comme Lady Franklin, sortez sans manteau ni la moindre écharpe et restez ainsi debout sous la neige
pour savoir combien de temps vous le supporteriez. Oui, voilà une très bonne idée, Benoît, pour nous mettre en condition, effectivement, pour comprendre hein, c'est tout ce qu'ont pu vivre ces hommes-là et tout ce qu'ont pu vivre ces explorateurs polaires, hein, puisque vous l'avez dit, et il s'agit ici du héros qui fait partie des pionniers de cette exploration. Et au XXe siècle, hein, tous les explorateurs danois, norvégiens et français, on avait évoqué Paul-Émile Victor notamment aussi, qui sont partis à la conquête de l'Arctique et de l'Antarctique, ont vécu des choses similaires avec des aspects comme ça que l'on peut retrouver. Alors, vous avez, Benoît, fourni comme tous les intervenants et intervenantes une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireenserie.com. Les auditeurs pourront dessus aller s'interroger sur différents aspects autour de ces recherches scientifiques sur les pôles. Et puis n'hésitez pas aussi à nous poser des questions, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre groupe sur Twitter et sur notre groupe Facebook Histoire en série. Voilà, merci beaucoup Benoît. On termine avec vous la troisième saison hein, du podcast qui est désormais riche de plus de 200 épisodes. Donc, je vous incite aussi, auditeurs et auditrices, à aller sur le site internet voir tous les épisodes qu'on a enregistrés. Vous pouvez les écouter à l'infini sur tous les sites de podcast et sur YouTube. Merci vraiment beaucoup, cher Benoît, et à très bientôt. Merci, Nicolas. Retrouvez-nous sur Twitter @histoireenserie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet, populated by a stranger.